Le secret derrière la lettre X dans la paume de votre main. Seulement 3 des personnes dans le monde l'ont. Les lignes de notre main ont beaucoup à dire sur notre personnalité, notre avenir, notre situation amoureuse ou financière, voire notre destin. La pratique consistant à lire dans la paume de la main est appelée la chiromancie. Tout comme les empreintes, chaque main est particulière et unique et notre identité peut se transcrire dans la paume. Dans cet article, nous allons découvrir ce qui se cache derrière le X se trouvant sur la paume de 3 de la population mondiale. Qu'est-ce que la chiromancie ? Cette pratique remonte à plus de 5000 ans en Inde, suivie de la Chine, du Tibet, de l'Égypte, et elle arrive finalement en Europe au Moyen Âge. La chiromancie est décrite comme un art, son évolution historique ne lui a pas permis d'acquérir le statut d'une branche scientifique à part entière, bien que certains scientifiques ont essayé de créer un lien entre l'astrologie et l'art de la chiromancie. Le but de la chiromancie est de prévenir l'avenir en déchiffrant et interprétant chaque ligne de la paume de la main. Comment lire dans la paume d'une main? Pour comprendre le fonctionnement de la chiromancie, il est primordial de connaître le B.A.B. de cette discipline. En effet, il y a une méthode de lecture et des étapes à respecter pour déchiffrer les lignes majeures de la main. En premier lieu, il faut choisir la main que vous lirez. Quelle main choisir, la droite ou la gauche? Le choix de la main est très important, étant donné que dans la chiromancie il existe 2 types de mains, une main passive et une main active. La main active est celle qui domine, celle qu'on utilise le plus. Cela va de soi que la main dominante d'un gaucher reste la main gauche et vice-versa pour un droitier. La main passive, appelée également innée, est considérée comme étant une base initiale. La différence entre les paumes des deux mains est interprétée comme une évolution de la vie de la personne concernée et ce depuis sa naissance. Les lignes majeures de la main. Il existe 4 types de lignes dans la paume d'une main, et on les appelle les lignes majeures. Ligne d'oxure. Cette ligne est horizontale et se situe en haut de la paume, elle reflète votre situation sentimentale. Sa longueur peut varier, elle peut être longue, s'allongeant du coin externe de la paume jusqu'en dessous de l'index, ou bien moyenne, voire courte. Chaque longueur a évidemment une signification particulière. Ligne de tête. C'est la ligne qui se trouve juste au-dessus de la ligne de vie, elle est horizontale. Cette ligne peut être bien distincte et séparée de la ligne de vie, tout comme elle peut s'entremêler avec cette dernière. Elle reflète l'état psychologique d'une personne, à savoir si elle a vécu des traumatismes ou des moments difficiles. Ligne de vie. Une ligne courbée qui cerne la base du pouce et se termine entre ce dernier et l'index. Il y a une polémique sur l'interprétation de cette ligne, tantôt une catégorie l'interprète comme étant la durée de vie, tantôt une autre l'associe à la force et la vitalité. La ligne de la destinée. On ne retrouve pas cette ligne chez tout le monde, cette ligne évoque le succès, la carrière et tout ce qui se traduit en matériel. Elle est verticale et située au centre de la paume en partant du poignet vers le centre de la paume.
signification de la lettre X sur les lignes de votre main. Estimez-vous heureux d'avoir cette lettre dans la paume de votre main car des chercheurs russes se sont penchés sur le phénomène de la lettre X sur la paume de la main. Ces chercheurs ont indiqué que cette lettre avait une explication très spéciale. Si bien que les personnes ayant cette lettre sur la main seraient chanceuses, uniques et destinées à une vie hors du commun. Ces personnes ont également l'esprit de leader. D'ailleurs, plusieurs grands noms qui ont marqué et qui marquent toujours l'histoire ont cette marque sur la paume de leur main. On retrouve la main du célèbre Abraham Lincoln et le président russe Vladimir Poutine.